Bonjour, bonjour. Hop. J'ai pas le bureau ici. Ah si, j'ai ici le bureau. Hop. Hop, bonjour, bonjour. Alors, on est le samedi. On débarre doucement. Hop. Salut Bis. Salut Villaz. Et salut Azu Manurlin, merci pour le suivi. Bon, on démarre doucement pour se chauffer. On va faire un petit tour sur un simulateur de train, OpenBVE. J'ai découvert une petite ligne de banlieue londonienne. De quoi se marrer. Et puis, donc, il y en a pour une heure et demie, une petite heure et demie. Après, on ira faire du Minecraft sur Holicube. On a un vaisseau spatial à construire. L'Enterprise. ok, Dak. Donc, ça, on va le couper. C'est la North London Line V1. Avec la classe 313 EMU. ACDC, j'adore ça. J'adore la CD... j'adore la CDC. Bon, alors AC c'est courant alternatif et DC je crois que c'est courant continu. Ce qui est pas logique, ça aurait dû être AC CC, courant continu, continue courante. Ils sont bizarres ces anglais. Alors que le AC ça va être alternatif courante. Voilà, ils mettent tout à l'envers. Hein. Salut Dr P. Alors. On va se mettre en mode arcade. C'est rigolo le mode arcade parce que ça donne des points. On a des points quand on arrive à la gare. Alors, il nous retire des points quand on est en retard. Quand on s'arrête pas au bon endroit sur le quai. Et puis après quand on fait des bêtises. C'est-à-dire quand on roule trop vite. Quand on crie un feu rouge. Ça doit être beaucoup de points celui-là. Ça doit être beaucoup beaucoup de points. Je l'ai encore jamais fait. Et etc etc. Alors je sais pas si on a des bonus si on est en avance, mais bon j'ai fait un petit test sur trois gares hier ou avant-hier, et pour être en avance il faut taper dedans, hein. Il faut connaître la ligne en fait. Le truc c'est qu'il faut connaître la ligne. Donc Silverlink Metro, bah, c'est la compagnie privée, hein. Tout est privé en Angleterre. Et c'est formidable, ça marche beaucoup mieux puisque c'est privé. Hop. Alors il y a un manuel qui est livré avec. Ah, je vais galérer par contre. J'ai mis toutes mes fenêtres pas du bon côté. C'est devenu tout noir. Ah, ok. Bon, on va le mettre en pause. On va le mettre en pause parce que le départ prévu dans 1 minute 26. Hein. Ça traîne pas le truc. Hein. Ouh là 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 là, ça traîne pas. Donc on repasse sur le bureau. Donc il y a toute une notice livrée avec le train parce que... Ouh. Bon, la notice elle est en anglais, c'est normal. On est quand même sur une ligne anglaise. Salut, NETFLX. Alors je voulais regarder quand même le train pour... On va de où à où en fait? On est sur la North London Line. On va de Richmond à Stratford. Richmond, c'est un fromage. Richmond au Royaume-Uni. Allez, on recherche Richmond au Royaume-Uni. Twickenham. Oh, Twickenham, c'est connu ça. Oh oh. Richmond Station. Ah, bah elle est là la gare de Richmond. Oh, c'est cool ça.
Salut Rana Templan. On peut même la voir peut-être cette petite gare. Ah ouais, elle est là. Voilà, la gare de Richemont. Et on va, bah tous les cons, on va aller partir par là. North Sheen. Mortlake. Barn. On va surtout, je crois, c'est à Stratford. À tous les coups, c'est pas là. On va peut-être plutôt par là. Ah oui, ça me dit quelque chose, Kew Gardens, Gunnersbury. Bon, on va se balader par là, hein. C'est la banlieue de Londres. Ah oui, on est même dans le... Ah, et Stratford, c'est là. Ouh là là. Je pense qu'on va se balader, on va se balader tout autour. M'étonnerait qu'on aille dans Londres. Bon, ça va être... j'espère que ça va être cool. Bon, et tout ça, on va essayer de faire un bon score, parce que c'est pas tout ça. Tou, tou, tou. Donc on va revenir. Alors il faudrait que je capture en fait la fenêtre du jeu. Open BVE. Ça serait le mieux. Comment je vais faire ça moi? Mon OBS, je vais le passer de l'autre côté. Faudrait que je capture capture de la fenêtre. Open BVE. Ok. Ah, ça a pas l'air de marcher. Celle-là. Hop. Voilà. Peut-être baisser un petit peu la musique. Alors, salut à ceux qui arrivent, Monkey, Maclek, bienvenue à vous. On se fait un petit tour, on se fait un petit tour de chouchou dans la banlieue londonienne. Alors c'est pas un train qui va super vite. Hein. Il faut que j'enlève la pause pour sortir du truc. Hop. Je connais pas les touches. Ah vache, j'étais trop loin. Départ prévu dans une minute. Donc là, tout en haut. Normalement, vous voyez les points. J'ai 0 points sur 2200 points. Alors on va démarrer le bazar. Se mettre dans une vue agréable. Hop. Il faut que j'enclenche. Je mette au neutre. Voilà, clac. Touche insertion. Touche espace pour enlever le bazar rouge ici. Et c'est tout bon. Je crois. Il est descendu le pantographe. Ouais, il est descendu. Je mets quand même un petit coup sur le 9. Donc départ prévu dans 6 secondes. Attention les yeux, c'est parti. Coupe les freins. Allez, hop.
Un petit coup de traction. Ah, il part pas. Ah, j'ai pas mis en marche avant. Ah, ça va mieux. Oh. Et si on met pas la marche avant, ça démarre pas. Faudrait que tu mettes des liens. J'ai pas. T'as rien trouvé, ma claque. Tu veux que je mette des liens? Salut, Philbur. 15 mph. Donc des 1000 par heure. Faut multiplier par 1,6 pour savoir ce que ça fait en francs. En kilomètre heure. Bon, on est parti. Il faut pas qu'on dépasse 15 mph. Alors, on a la carte qui s'affiche ici, on est tout en bas. On a le petit carré vert. On vient de partir de Richmond et on va aller à Kew Gardens. On va tourner là, on va changer de voie. J'ai aucun lien sur ton Twitch, ton Twitter ou YouTube. Ah, pourtant il me semble que j'ai des liens. 35 mph. Donc là on est en troisième rail. Là c'est pour m'annoncer que le feu est vert. Cool. C'est 35 mph. Hein. Donc là on a du temps avant d'arriver à Kew Gardens. Je vais peut-être couper la musique carrément parce que... on va couper la traction. 35, petit coup de frein. Ah, on était trop efficace. Allez, on met la traction. Salut Max, salut G1. Feu vert. Limite est passé à 45, je l'ai pas vu. Ah, brin. C'est vrai que... Elle est où la gare? Hein, on arrive dessus, remarque. On va pas trop accélérer parce que... Le problème, c'est de s'arrêter au quai. Et merci Dudul. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Merci pour le 10e mois. Bon, première gare... On s'arrête celle-là, hein. Ouais. On a aussi le profil, hein. Donc là on est en montée. Oula. Petit coup de frein. Donc à gauche, s'affiche là où on doit s'arrêter. Curseur. Salut Dame Dodo. Voilà. Et hop, moi je veux le bonus. Oh, super. Donc arrivé à la gare, j'ai 100 points, retard moins 29, 1 minute 29 de retard et bonus pour arrêt parfait 15. Ça me fait un total de 86. On va mettre en pause. Vous voyez le principe? 86 points sur 100. Du coup, normalement, si tout était bon, j'aurais dû avoir 100 points. Mais j'en ai perdu un petit peu. Donc le but du jeu à la fin, bon, ça serait d'arriver à 2200 points, mais on voit bien qu'on va pas y arriver. Hein. Moi, je vais me fixer un objectif d'atteindre au moins les 50%. Donc d'avoir les 1100 points à la fin du trajet. Salut, donc salut Dame Dodo, salut Noam. Noamb 7, merci pour le suivi. Le jeu date de quand? Il date un peu, c'est un jeu multiplateforme, open source, donc open BVE.
Moi je suis sur Linux, j'arrive pas à faire tourner Train Simulator, OpenRail, Train Z, même sous Win, c'est la galère, ça marche pas bien. Celui-là il marche, il est daté, on peut faire des trucs de qualité, la preuve, hein, c'est un peu de qualité, même si c'est pas le top du top, on voit que les arbres, bon c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas mal. Alors je rappelle que nous sommes partis. Bureau. Nous sommes partis de. On est parti de où? Ah, de. Richmond. Richmond, c'est vachement bon. On est parti de cette gare-là et on a tourné ici et donc on est arrivé à la gare de Kew Garden. Voilà, Kew Garden, les jardins de Kew. Elle est où cette gare? On voit même pas. Allez, si, elle est là. Bon, on va pas faire ça à chaque gare, hein. Rassurez-vous. Oh, elle est mignonne. Oh, la mignonnette petite gare. Kew Garden Station. Oh, c'est super. Oh, c'est hyper mignon le quartier. Il y a des trucs sympas en Angleterre quand même, hein. On croit que tout est acheté, mais non. Je suis sur Linux Mint. Salut, bonbon au miel. Faut rouler comme à la RATP pour être à l'heure. Ouais, je crois qu'il faut taper dedans. Hein. Salut Lynn. Il faut taper dedans. Donc, but du jeu. Alors, il y a 22 arrêts. Pop, pop, pop. Et le but du jeu, c'est de finir à Stratford. Alors Stratford, apparemment, c'est de l'autre côté. Alors là, on est là. On est monté à Kew Garden. Ah, c'est ici. Prochain arrêt, Gunnersbury. Chiswick Park. Hammersmith, je sais pas si on y va. Bon, on verra bien, on fera des petites pauses de temps en temps pour repérer où on va sur notre trajet. Salut prof DJ. Bon, bah, c'est reparti. Alors, c'est North London. Le lien, si vous voulez le lien du... Bah, le jeu, c'est OpenBVE. Et le lien de la ligne, c'est. Ils ont un site internet où on peut télécharger tout ça. Il faut télécharger la ligne et le train. Toc toc. Ah, eux aussi, ils mettent pas de lien, tu vois. Hop. Ah, voilà. bvewesternregion.co.uk. UK comme. Huc, 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 huc. Le cri du marsupilami. Non, le marsupilami, c'est Ouba Ouba. Ah non, il y a un problème là. Ils se sont trompés. Bon, allez. Oui, on est dans Minecraft. Bon, ben on est reparti. Départ prévu dans 2 secondes. Embarquement terminé. Ah oui, vous le voyez pas à cause des dons. Hop, les deux petits trous. Ah, zut. Les deux petits gling-gling, c'est le chef de train qui doit donner gling-gling pour qu'on reparte. Bah, il faut mettre la pêche au départ, je pense, hein, sinon on perd trop de temps. J'ai déjà 1 minute 19 de retard sur le parcours. Ah, j'ai pas mis le lien sur le Twitter. J'avais pas compris. Bon, j'ai retweeté. Alors, on en est où? On est à fond, hein. Il y a 4 crans de traction.
C'était quoi la vitesse? D'un autre côté. Non, on n'est pas à la gare. On va dire que c'est 45. Oh, joli petit pont. Elle est où la gare? On est au milieu. C'est Gunnersbury. Feu vert. Tant de panique, tant de panique. Alors on arrive. Il y a un panneau de ralentissement. À 15. C'est bon. Alors là, le signal est à droite hein, pour le, l'arrêt OK. Je veux le bonus. Combien de rebonds? Ouais. Encore 15 points. Oui, bonus pour arrêt parfait, 15. Retard moins 32, on a 1 minute 39 de retard. Donc on a fait 83 points. Donc là, si mon objectif c'est d'avoir la moitié, donc les 1100 points, c'est pas mal. Déjà ? Ouais, c'est juste une image. Le... Allez, à fond. Oh, allez, arrache-toi là. Alors après on va où? On va à Sousse, Acton. Acton du Sud. C'est pas très loin. Et ça descend. Il va falloir se méfier. Oh, c'est 15. Ah, juste moins 18 points. Ah. C'est 25 là. On va savoir. Oh, on a perdu des points. C'est pas juste. Bon, on est sur la route 66. C'était 25 hein, qu'il avait dit le truc. Et on va se méfier parce que ça descend. Et ouais, on arrive. C'est assez court là le trajet. Combien de rebonds demandera notre emploi? Bon, 25. Où est cette gare? J'espère que le son est pas trop fort. Le quai est très court. Oh, il y a personne ici. Vous avez vu que des fois il y a des petits personnages. Non, le téléphone il marche pas. Ah, je vais pas faire l'arrêt parfait. Oh, arrêt moins 2.
Moins 51 pour le retard. Il va falloir taper dedans là. Je pense que je mets en pause. on a 2 minutes 35 de retard. On est à moins 51 de pénalité sur le... Ça, on n'a pas fait les 50 points là. On est arrivé où? Vous avez repéré le truc? Le nom de la gare? Attends, on est parti d'où? On est parti d'ici. On a fait Kew Garden. Gunnersbury. Après, on est tourné à, on a tourné à, ici... Acton. Donc là, tu es noté sur le départ, l'arrivée, la vitesse. En fait, tu es noté... le départ, non. Et si tu prends du retard, tant pis pour toi. Mais sur l'arrivée... Il faut être précis pour l'arrêt et sur la, bah, la vitesse, et il faut que tu respectes un horaire. On doit être à... On n'était pas à Acton ? Non, c'était pas Acton. Ah, sous Acton. On est à sous Acton. Après, il y aura Acton. Après, il y aura... Après, on traverse tout. Après, on sait pas trop où on va. Il y a plein de possibilités. Oh vache, il y a plein de possibilités. On verra après. Allez, on retourne à ce jeu. Hein. On n'a pas vérifié la météo, c'est overcast. C'est londonien. On va essayer de rattraper un petit peu de retard, mais je pense que ça doit être super serré les... Allez. Donc réponse, c'est overcast. C'est londonien. Ouais, mais t'as vu les pénalités. 45. Ah ben, on va pouvoir taper dedans. Et on va à Acton Central, qui est pas très très loin. Et ça descend. Ah ouais, on est en pleine descente. Ah, signal fermé. On dépasse pas le 45. Solution pour les prédictions dans ton jeu. Ouais. Mais je pensais faire 1100, mais on fera même pas 1100. Hein. La gare. Rouge, on est à fond, on est à fond. Ouf, feu vert. Ah, il va falloir changer les pantographes. Oh là, on a vraiment mal. Moins 22, retard moins 46. Ça va mieux. Du coup, total 32. Ah vache. Alors, il faut changer le. Faut monter le pantographe. Touche P. Ah, il veut pas monter. Attendez, il se passe un truc là. Donc je regarde dans le manuel. Puis c'est tout en anglais le truc. Hein. Cap setup. Raising the pantograph. Switching to le courant alternatif. Ah, il faut que je repasse en neutre. Ok. On va encore se reprendre du retard. Hein. Parce que là. Toc, toc. Il faut que je bascule en neutre. Toc. P. Voilà, il monte. Nickel chrome. Un petit coup de 9.
Je rebascule en avant. Je défreine et je repars. C'est bon. Ah, ça a marché. Où est-ce qu'on va là? Willesden Junction. Ouais, le premier il est en gris, donc on s'arrêtera pas à Acton Wells Junction. Ouais, pas les avions, le tchou. Tais-toi. La petite sonnerie, c'est le signal vert. Panneau 30. Allez, on freine. Dans le moteur. Ah, c'est le métro. Oh! On peut peut-être pas accélérer avant. On est où? Après. On va s'arrêter. Après. 30, hein. Descente. Ouais, grosse descente. Faut freiner pour pas que le train s'embarque. Prochain signal fermé. Enfin, c'est un avertissement. On arrive en gare. Il est où le quai? Nickel chrome. On va essayer de faire un bel arrêt. Allez. Bon, tant pis, on gagne plus, on perd plus de temps avec le retard que... Alors, ah, retard, on a regagné du temps. On court pas sans positif. Total 66. Je vais vous couper un peu le moteur, le truc. On est à quelle station là?
Ah zut, j'ai loupé le... Non, on était là. On est parti là. On est parti ici, Kew Garden, Gunnersbury. On est tourné Southampton, Acton Central. Ah oui, on est passé là. Et après, on est parti où? Willesden. Willesden Junction. Oula, grosse, grosse gare. Et pourtant, nous, on n'en voit qu'un tout petit bout, ouais. Alors, je sais pas où on est parti. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on fait des prédictions? Est-ce qu'on fait des prédictions sur les nombres de points final? Salut Pierre. Les fondus du rail, ouais. Est-ce que c'est encore possible de faire le 1100 là? On est à 296 points. On a fait combien de stations? On fait de prédiction sur 1100? Est-ce qu'à la fin j'aurai les 1100 ou est-ce que je les aurai pas? 1100, il faut avoir la moitié des points. Donc là, arrivé à la gare, j'ai eu 100 points. J'avais un retard de 1 minute 22, ce qui me fait moins 27 points de pénalité. Et j'ai loupé l'arrêt de 3 mètres, donc il me met une pénalité de moins 7, ce qui me fait un total de 66 sur les 100 possibles. Donc si j'ai 100 à chaque fois, à la fin j'ai 2200. Tout à l'heure j'ai perdu des points parce que j'ai une pénalité pour dépassement de vitesse, et puis hein, j'avais trop de retard. Donc le 1100 est pas gagné, hein. On se fait une petite prédiction à 1100? Vous le sentez ou pas? Prédiction à 850, c'est plus sûr. Ouais, mais si c'est sûr, c'est pas une prédiction. Alors, vais-je avoir les 1100 points? Oui, à l'aise. Non, c'est l'Angleterre. It's... Oh, je vais le mettre en anglais. Non. It's England. Avec un point d'exclamation. Durée de la prédiction, 15 minutes. Allez, commencez la prédiction. J'ai compris, oui, j'ai compris. Elle parle, la dame, dans le micro. Elle est gentille. Allez. 37 secondes? C'est pas comme ça que je vais récupérer mon retard, moi. Eh, oh! Après, on va où? Kansal Rise. Ah, j'ai trouvé Kansal Green. Damned. Et après Kansal, c'est quoi? Trop tard. Brownsbury Park. Bon, trop tard. Après, c'est simple hein, comme conduite, hein. Tu lâches les freins, tu mets à fond. C'était quoi la vitesse limite là? Ça serait bien qu'il rappelle par un petit panneau à quelle vitesse on doit rouler quoi. Oh zut!
ça devait être 25. Cancel race, on a du temps. C'est 25 mph. Hein. Et là, on passe à 45. Allez, on met la patate. Attention, accrochez-vous au siège. Ah, on met la patate. Ah non, 15 pour tourner. Allez, on met la patate. En plus, il y a un chantier. Salut les gars. Arrive. Les freins, c'est pas terrible. Je vous assure que les freins, c'est pas gêné, c'est pas gégène. Ah là, il y a des passagers. Ça gère. Oh, oh, très très bien calculé. Oui, 15 points de bonus. 94 points et on a rattrapé notre retard. Allez, 1100 points, c'est fin G dans le nose. Hein. C'est toujours le bon truc. Pour ce genre de jeu, il faudra un fauteuil vibrant. Ouais. 45 mph, on est un peu plus de 60. 10. Ouais, ça fait pas mal quand même. Hein. Prochaine station, Brodesbury Park. Monte, on finit de descendre là. On était toujours à 45. Hein. J'aimerais bien pas me reprendre une pénalité. Salut toi, Twilight Princeps. Comme on descend, on va les filer sur l'air. On peut taper dedans, on a encore un petit peu de retard à récupérer. Faut bien anticiper le freinage. Hein. C'est une vraie cochonnerie à freiner ça. En plus, il y a personne, je m'arrête pas. Bien le bonjour, compte de te soutenir. Bon live à toi. Oula, j'y vais trop vite. Merci Albubu. Oula, on va dépasser le. La pénalité. À moins 24. Allez, cochon de l'espace. Hop. Bien le bonjour, content de te soutenir. Eh bien, merci Elbubu, 17e mois. Gros bisous, merci à toi. Tout à l'heure, on avait fait un bon score. Là, on n'a pas fait un score terrible, terrible. Hein. Mais je me suis laissé aller. Tiens, on va en profiter pour vérifier où on va, puisque j'ai mis en pause. Tout à l'heure, on avait Kensal Green. Queen's Park. Non, c'est pas ça. C'était Kensal... Kensal quoi ? Kensal Rise. On est parti ici.
Ah, on est parti sur la petite là. Plap, 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 plap. Kensal Rise. Brondesbury Park. Brondesbury Park. 5 minutes d'arrêt. Ouh. Hop. Oula. Tout à l'heure, c'était plus joli, hein. Oh, c'est. Ouais, c'est mignonnet. Après, ça. C'était plus joli le tour. La petite gare qu'on avait regardée tout à l'heure était plus mignonne quand même. Hein. Ok, je vais baisser un peu. Ouais, c'est la machine. Ça fait un bruit du tonnerre, hein, c'est ces engins électriques là. Alors on va à Brondesbury, c'est pas loin du tout. Hein. Et on continue de descendre. Salut Mika. Là, la gare. On a coupé la traction, on met un cran de frein, on va freiner, on va descendre à 20, voilà, pour faire notre approche. Ah. Prochain signal, avertissement, on casse la vitesse. Mal. Petit moins 3. Mais retard moins 25. On n'a plus qu'une minute, 1 minute 16 de retard. Total 72. Salut Status. Alors, première partie de live, hein, tout à l'heure, on repart sur Minecraft Holicube à l'heure du goûter. Embarquement terminé. Et là, on va à West Hampstead. Grosse gare, West Hampstead. C'était loin. Non, c'est tout de suite là. Hein. On n'a pas le temps d'y rouf. C'est un peu comme un métro. Hein. À la gare. C'est West Hampstead? Ouais, West Hampstead. Là, j'arrive pas assez vite. On a un peu de traction. Moins 11. Oh, le retard il augmente. Qu'est-ce que c'est que cet affaire là? Total 44. Alors on est. On
est ici. West Hampstead. Il y a un gros machin. Et après, on part par là. Donc, on va partir sur Finchley Road et Fronial, normalement. Quoique... Non, 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 c'est un cul-de-sac, ça. Ah, il y a un problème, là. On va quand même pas passer sous terre. Ah si, on va passer sous terre. Mais non. Je ne veux pas aller sur terre, sous terre, moi. Ah, on ressort, là. On ressort après Hampstead, if. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouais, parce que là, ça n'allait pas. Penche-toi, Pitous. Salut à toi. Merci pour le suivi. Finchley Road, c'est tout de suite. Hein. Ah, c'est là. Après, faut choper les automatismes en fait pour. Pour arrêter le train, pas freiner trop tôt en fait. Je freine trop tôt et après j'arrive tout doucement. Il y a le signal rouge, il faut faire gaffe. Ah, 50 points. On continue en caténaire. Hein. Ouais. À un moment donné, il va falloir, je pense, repasser en troisième rail. J'avais de l'éclairage. Je sais pas comment on a l'éclairage. Sortie de tunnel, il y a une gare. J'ai peur la nuit, ouais Mika. Ça fout les jetons. Ah, ça va mieux. Ah, on a repris un peu sur notre retard. On a fait 60 points. Ouais.
Alors on est sorti Hampstead Heath, on est ressorti à la lumière. Donc Hampstead Heath c'est là. Donc on va continuer à soit sur Gospel Oak. Faut qu'on aille à Stratford, hein. Oh vache, on est encore loin. Ah oui, on est au nord là. Bon ben là, je me suis perdu. Ça y est, j'ai perdu le fil. Bon, on est perdu. Ah non, on était là. Gospel. Est-ce qu'on va à Gospel Oak ou pas? Telle est la question. Oui, on va à Gospel Oak. Après, on va Kentish Toon West. Ouais, donc on descend au sud là. On descend vers Londres. Ah zut. J'ai pas ma fenêtre active. Vite, on perd du temps. Vite, 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 vite. Comment peut-on se perdre sur des rails? T'as vu, il y en a partout. Un coup ça va à droite, ça va à gauche. Si tu connais pas la ligne. Donc j'ai changé de moyen de transport, ouais, c'est grippant. Bah ouais, parce que là au moins quand il y a des nuages, ça roule. On peut mettre du brouillard, hein. On peut définir des gros trucs de brouillard bien. Alors, on va. Gospel Oak, ça va. Il y a un panneau là. Bon, on s'en moque. Là, je crois qu'on remonte. Ouais, c'est ça. On est en rampe. Ouh là! Et 33 points dans la vue. On s'arrête ici, hein. Ouais. C'est Gospel Oak. Salut, votre bug. Ah, je crois que j'ai vu Martha. Quarante-cinq points. Ah, pas terrible. 2 minutes 16 de retard. Donc Gospel Oak. Ah, j'ai coupé le son et je voulais pas remis. Ah, je suis désolé. Parce que quand je bascule en. Là, je coupe le son et je vous avais pas mis le son. Donc, Gospel Oak, on est juste ici. On a vu la séparation, la bif juste avant. Et là, on va descendre sur Kentish Town West. Et puis après sur Camden Road. Mine de rien, on doit pas. On est juste à côté de The Regent Parks. J'avais pas mis en pause. Allez, faut qu'on parte. Oh, puis démarrage en côte. Peut-être pas mettre trop de traction. Quarante-cinq. Allez, on pousse. Je sais pas ce que ça veut dire ce panneau-là. C'est lié à l'électricité, mais faudrait que je lise le manuel. C'est pénible les trucs où il faut lire les manuels. Donc on va à Kentish Town West.
On y arrive. Oh, bien. Presque parfait. Moins 2. Il met moins 2. Alors que j'étais passé de 1m8. C'est une honte. Total 44. Ah, vache le retard qu'on a pris dans les dents. Oh là 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 là. Va falloir rattraper ça. Hein. Ouais, pas près d'avoir les 1100. Hein. Je pense qu'on doit avoir une sacrée côte ici. Et derrière Camden Road. Après, on va Caledonian Road. Après, on aura un petit plat. Un petit faux plat. Je vais pas être embauché à la RATP, non. Don't panic. 20. Oh vache. Oh, dépassement de la vitesse. Ah, j'ai pas appuyé assez vite. Comment on coupe ça? Comment on la coupe cette alarme? Bon, j'ai appuyé sur toutes les touches, hein. Ah, je sais pas sur quoi j'ai appuyé là. Normalement, c'est la touche insertion quand on entend le signal. Ça fait un boucan pas possible. Je vous ai diminué le truc. J'espère que ça vous vrille pas les oreilles. Security. Non, c'est pas ça. Insert. A1. Supre. J'ai appuyé. Ah, zut. Bon, ben, je crois que c'est cuit, hein, pour les 1100 points. Fin, j'avais appuyé dessus aussi. Page précédente. Page suivante. Accent aigu. Ouais, mais je sais pas à quoi ça correspond, quoi. Bon, ben voilà, fin du voyage. Je sais pas comment le couper. Quand celle veut ATS alarme, c'est espace.
Non, ça fait ça là. Sens de marche à zéro. Recette ATS, home. Ouais, mais... Ouais, j'ai cassé le train. De l'autre côté, je suis en traction. Hein. On va recommencer. Ouais, mais le redémarrer, ça veut dire. Ça veut dire tout recommencer en fait. Bon, de toute façon, la partie est fichue là. J'atteindrai pas les 1100 points. Mais normalement, on est censé pouvoir le débloquer ce truc-là, mais. Je sais pas si le fait de faire ça, ça va réinitialiser le truc. On a dépassé quoi? Gospel? Kentish? Ah non. Ça ne réinitialise pas le truc. Hein. Bon là je suis en train de claquer le clavier. Bon, je pense que c'est cuit. On est dans ce cas-là. When you encounter... Otherwise. An emergency brack application will be made. On va le couper le bazar là, parce qu'il est pénible. If an emergency brack application occurs... You won't be able to release the brake or silence the warning horn until the train has stopped. Et il est stopped. Il faut attendre une 60 secondes timeout before you can cancel the brake demand and release the brake. Je suis pas sûr que ça marche mieux en cassant le clavier. Oui, mais ça défoule. Alors là, il faut attendre un timeout de 60 secondes. J'aurais dû attendre un timeout de 60 secondes. Bon, là, ça fait 60 secondes depuis le temps qu'on cherche. Donc j'essaye de réinitialiser. Donc j'appuie sur la touche Home.
peux retractionner? Non, je peux pas tractionner. Bon, j'avais 693 points. On repart dans l'autre sens, on repart dans l'autre sens. Ça recule, chef. Analyser la dernière partie. Non, on veut pas l'analyser la dernière partie. Salut Sivek. On était où? On était arrivé à Camden Town. Camden Town. Camden Town, c'est souterrain. Camden Road. Attends, je l'ai perdu. Camden Road, c'est là. On va repartir de là. Donc, allez à la gare. Camden Road. Par contre, ouais, faut que je mette. Alors, faut que je démarre quand même le truc là. De lutte. Ce coup-ci j'étais rapide hein. Alors il me faut que je mette le pantographe. Voilà. Bip bip. Départ prévu dans 15 secondes. Non, on n'avait pas été là. On n'était pas arrivé à ce truc là. Bon tant pis, c'est pas grave. Ça me dit rien là. Ce signal avec un V là. C'était là où on devait arriver en fait. Marche avant, ça marchera mieux. Ah non, on est en troisième rail là. Ah brin. Donc faut que je baisse le pantographe. Tu l'as baissé? Contrôle P. Shift P. Don't panic. Mais descends. On t'a dit de descendre. Oh non. Incroyable. Incroyable. Être aussi mauvais, c'est pas possible. Le ring veut pantographe, c'est nous. Il fallait mettre au neutre. Contrôle P. Tac 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 tac. Et ça suffit. Bon, bah c'est ce que j'ai fait. On est au neutre.
CTRL-P. Bon, il a l'air de marcher. Ah oui, mais il y a toujours le pantographe. Je suis en quel mode là? La petite loupiote, elle est en haut. Vive les voyages en train. Bah après, quand tu prends des trains et que tu lis pas le manuel, Pierre, c'est pas gagné. Hein. J'ai pas eu beaucoup le temps. C'est pas de ma faute. Alors attends, 9. Donc là, on a plus de jus. Normalement, le pantographe, il n'y a plus de caténaire, donc on a tout arraché. Ouais. CTRL-P. Ça marche pas, chef. Ah, il est bugué, votre truc. Hein. Bon. Ouais, normalement, on devrait avoir le bouton en bas qui devrait s'allumer. Pour que nous dise, on capte, on est en mode courant continu, on capte le courant sur le troisième rail. Mais visiblement, ça ne veut pas marcher. C'est peut-être l'autre CTRL-P ? Non. Le bouton rouge, pas à la gauche du poteau rouge central, il sert à quoi ? C'est certainement arrêter le train. C'est ce qu'ils appellent le DR. Le DRA. DRA. Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis le bout. Non, le bouton du haut, c'est le AC, c'est l'alternatif, donc c'est la caténaire. C'est le bouton qui est allumé, moi je devrais être en bas. Bon, ce qui est étrange, c'est que ligne, il me dit que j'ai du courant là. Mais j'ai pas basculé en mode... Ah, il faudrait que j'appuie sur le bouton 9, la touche 9, pour reset le système. Ah oui, mais dans le jeu. Ça fait rien. CTRL-P. Bon, on arrive en gare, c'est bon. Hein. C'était le principal. Hein. Heureusement que ça descend. Vite. Les freins marchent toujours, j'espère. Quoique. Ah si, ça marche. Je te raconte pas le négatif qu'on doit avoir. Hein. Oh, 2 minutes 15 moins 44. Je me permets de rigoler doucettement. Hein. Bon, je mets au point neutre. On va retenter le coup. CTRL. Il faut peut-être que le train soit arrêté. Ah, maintenant le bouton du bas est allumé. FP9. Voilà. Ah, les deux boutons du bas sont allumés. C'est bon. Ouf. On va peut-être sauver la partie. On a un petit peu de retard à récupérer. Alors je remets en marche avant. Ouais, il faut être à l'arrêt pour resetter. Ou pour baisser le pantographe. Ce qui est étrange parce que... Bon, sur les trains français... Enfin, sur une locomotive française, on peut baisser le pantographe pendant qu'on est sur l'air, puisque c'est ce qui se fait au sectionnement. On met le train sur la liste des trucs que tu casses. Il faut redémarrer, là? On en est où, là, les gars? Il a fait ding-ding? Non. Je repars? Ouais, allez, on repart.
Rien à la fiche. De toute façon, il n'y a personne. Il n'y a personne à cette gare. On verra bien si on a une pénalité. Attention. Non ? Même pas de ding-ding ? Enfin de pip. Je viens de passer un signal à l'orange. Enfin au jaune. C'est combien la vitesse ici ? On s'en tape. De toute façon on y va à fond. C'est quoi le prochain arrêt ? Oh c'est tout de suite. Probable, possibilité probable. Bon, il manquait 400 points pour avoir les 1100. 407 points. Allez, on va freiner. Oh, il y a joli la gare ici. Et ils ont mis deux fois le même gars. Erreur hein. Elle est en train de se téléphoner, remarque. Quarante points. Retard 2 minutes 39. Bon, on va commencer à faire attention là. On respire. Il est pas l'heure de goûter. Donc on arrête de regarder la banane. Elle me regarde la banane, elle m'appelle. Je profite de l'arrêt pour monter. Bah monte Florent. 7 secondes. Ah, les portes sont fermées. Bon là on va taper dedans. Hein. Hop, on va où? On va à Canonbury. Le canon de Bury. C'est quoi le profil? Ah, ça monte. On tire un canard qu'on est en train d'étouffer. Le pip te donne mal au crâne. Hein. Bonne après-midi, Chouvi. 25, c'est pour l'autre là-bas, c'est pas pour nous. Je vais baisser le son hein, pour pas que. C'est pour nous ça? Ah ouais, déjà. Y'a personne là. Ah si, y'a des gens. Oh mais hey, vous êtes gonflés de me faire arrêter partout là. On va essayer de faire un arrêt propre. Voilà. Juste retard moins 50, 50 points ça me va. Il me faut 400 points. Non, 307 points. 407 points il me faut. C'est un Sten. C'est Tutu qui sera contente si on étouffe un canard, dit Twilight Princess, ouais. Allez, on est reparti. Alors là on va où? Ah par contre 400 points, il reste 5 arrêts. Ah ça va être dur hein. Dalston Kingsland. C'était loin. Ouais, relativement.
J'ai moi aussi des ancêtres cheminots Marcraft. Mais après, comme tout bon cheminot, on est susceptible. Hein. Et merci Florent. Tiens, je te donne 22 points déjà. Tiens, je te donne 22 points déjà. Merci Florent pour le 22e mois. Oh vache, 15. On va avoir une pénalité en plus. Étrange qu'il ait même pas râlé. On s'est pris une bif un petit peu en légère sur vitesse. Étrange, étrange. Bon, il nous a sauvé des points là. Dépassement de la vitesse, moins 126. Non! Ah, le sauvage! Ah, il faut lever le... Oh, pff, oh la, la totale. La totale, j'ai fait que 30 points. Ah, oh, la totale. Il faut lever le panto. Rising. Rising veut panto. Alors, il faut se mettre en neutre. Faire un P. Voilà, il se lève. Oh, l'animation est pas terrible. Hop. Je rappuie sur 9. Voilà. Et j'ai la lumière en haut, c'est bon. Tiens, on peut passer en négatif. Ouais, ouais, Laura, là. On peut passer en négatif, apparemment. Ils respectent rien, les gars. Hop. Bon, adieu les 1100 points. Tout ça à cause d'une microscopique erreur. Je pense qu'il faut connaître la ligne hein, pour... Puis on a 3 secondes quand on a le signal, la trompe là. On a 3 secondes pour couper le signal quoi. Ou un autre train. Voilà, à quai central. On va au quai central. Ah non. Oh, dépassement de la vitesse. Oh, eh. Ouais, oh là, on enlève-moi 2 points, hein. Je te dirais rien. Oui, j'ai les freins. Ouais, bon, c'est pas... De toute façon, là, c'est mort. Hein. Les 400 points, je les aurais pas. On va déjà essayer d'arriver entier à destination. Y a une gare. Elle est pour nous. Ah ouais. On va peut-être freiner. Oui, 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 oui. Heureusement qu'ils ont pas mis un système de points comme ça dans X-Plane. Alors, moins 53, moins 6, on n'en fait que 41 points. En fait, le truc qui siffle, c'est le moteur. C'est des trucs électriques. Hein. Je pense que les gars, ils ont enregistré les sons des vrais rames. Alors, il nous reste 3 stations. 300 points possibles.
Si tu t'arrêtes pas à la prochaine gare, je pense que je vais avoir des pénalités encore, hein. Je suis à 45. Il a rien dit, donc ouf, il a déjà la station. Je pense que je freine trop tôt. Ah ouais, déplacement de la vitesse, moins 41. Bah ouais, merci. Non, c'est pas un problème. J'ai pas vu de panneau, moi. Bon, je les vois peut-être plus, les panneaux, mais... Il nous l'avait dit qu'on pouvait rouler bourré, hein. Ouais, on va essayer de se faire un bel arrêt. Puisque de toute façon le retard c'est mort. Les points c'est mort. Parfait. À 0,2 mètres, à 20 cm. Donc j'ai 15 points. C'est bien ça. On va à Hackney Wick. Il annonce, il enlève les points de dépassement de vitesse après coup, hein. Il est sympathique, hein. Il est très sympathique. Bon, après c'est à nous de connaître la ligne normalement, hein. Là, on est en faute. Ça va, moyen de monde sur le quai. Bon, de l'autre côté, il y a quasiment plus de stations, donc les gens ils y vont à pied. Hein. Surtout quand le train il arrive avec 10 minutes de retard, quoi. Alors j'exagère 10 minutes de retard parce que j'ai à peine 2 minutes de retard. Hein. Oh vache! On a raté le train, on a raté le quai. Ajustez s'il vous plaît votre position d'arrêt qui nous met. Oh non, c'est pas vrai. Oh, j'ai mis en... Allez, c'est parti. Ah, il faut repasser en photographe. Bon, on va essayer de se faire un... Parce qu'en fait, quand on loupe la gare, il dit rien. Ah, il va pas dire... ah, il m'enlève moins 2 points. Retard, on a 3 minutes 19. Eh. C'est pas la mort, hein. Pantographe, il faut qu'on le descende. Donc, je me mets au neutre. Et je fais CTRL-P.
C'est bon. Je reset le système. Je remets en avant. Ça remarche. Ouf. 2 minutes, il y a un train. Si, il y a un train toutes les 3 minutes. Je sais pas si sur cette ligne-là, il y a souvent des trains. Ah, c'est... ouais, c'est de la ligne de banlieue, donc... 40. Ça nous fait pas peur, ça, madame. 15. Ça veut dire quoi, ce signal-là? Un triangle vers le bas, ça veut dire quoi? Oui, oui. On est loin de la gare? Ah ouais, quand même. Stratford Low Level. Ah, ça, ça doit être un signal de... On sait pas trop. On va ralentir, je pense que... Ah, il y a un 15. Je pense qu'on est sur une bif. Ah, c'est ça, on tourne à gauche. Non, on tourne à droite. Bon. On est à 15. Il y a une locomotive là-bas. Allez, passe pas, on arrive. Hein. Enfin, on passe, nous. On peut le faire, les poids dans X-Plane. Toujours à 15. Il nous indique vers la gauche. Bascule à 25. Il a dû y avoir des trucs à charger là. Il a fait une petite pause. Il fait des petites pauses. Il doit y avoir des trucs à charger. 25, on avait. Allez, on tractionne un peu là. On peut rattraper notre retard. Salut les gars. C'est là? FPS, c'est pas ça. On va essayer de faire un bel arrêt. Oui. Oui. 0,7 mètres. On est à la gare Terminus. Votre score extrêmement mauvais. Vache. Et 178 points, ça veut dire que... 178 plus 693. 8 et 3, 11, 17. 871 points. Moi je dis c'est pas ridicule. Hein. Non, faut toujours positiver. Donc on va choisir le résultat de la prédiction. Ah, vache. Vous avez quand même parié plus contre moi. C'est une idée ou c'est un petit peu systématique? Heureusement, J1, il a voté pour moi. Allez, choisir la réponse. Donc non, il te sanglande. Voilà.
Alors Stafford. On était où là? Camden Road. Après Camden Road, c'était Caledonian Road. Caledonian Road et Barnsby. Et Barnsbury. C'est ça. Ensuite, Ixbury et Islington. Après Canonbury, il y a ça plein de trucs en Bury. Hein. Voilà, Canonbury. Dalston. Les Dalton, Pays du Roi, Kingsland. Le House of Momo. Acne Central. Acne Central. Homerton. Homerton, c'est tout bon. Acne Wick. Acne Wick. Et ensuite Stratford. Copperbox Arena. Je crois qu'on est tourné par là. Oh, Stratford International. Yes, it is. Et je pense qu'on est parti par ici, nous, non? Non, attends. Stratford Low Level. Je sais pas où on est. On a dû arriver ici, et puis après... Stratford. Il y a les Stratford partout. Maryland. Bon, on est quelque part par ici. London Aquatic Center. London Stadium. C'est quand même pas là où il y avait les Jeux Olympiques. Ah si, Olympic Park. Queen Elizabeth Olympic Park. Great British Garden. London Marathon Commuting Track. Web. Cool. J1 dit atterrissage 3 points, plus 3 points, un rebond moins 15, 2 rebonds moins 50, 3 rebonds moins 90. Salut chaussette farouche. Bon allez, on va se faire une petite pause, 15h50, je goûterai juste après. Je vais me faire une petite pause et puis on se retrouve... Quitter le jeu. Ça fait du bien quand ça s'arrête le sifflement là. Il est un petit peu pénible hein, le sifflement du train. Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Ouais, mais pendant la pause, je ferai une coupure. Après, je ferai une recoupure pour qu'il redémarre à nouveau, qu'il renvoie une notif Twitch. Donc, petite pause de 2-3 minutes. Et puis on se retrouve pour du Minecraft Holy Cube.
Pop, 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 pop. Ah, il faudrait peut-être que je démarre Minecraft, moi, au fait. Ouais. Ça va le faire. Pop, pop. Ben, on va lancer l'enregistrement. Donc, pour l'enregistrement, bonjour, bonjour. Nous voilà en deuxième partie de live du samedi. Et c'est du Minecraft Holicube. Oups. Alors on affiche la chaîne. Ouais, voilà. Il est lancé le truc. Donc j'enregistre. Il va falloir que je lance le. Ah oui, que je modifie les infos de stream. It seems. Yes. Tac-tac-tac. Jour 98. A priori, quatrième jour de la construction. Hop. 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 Minecraft, catégorie. Hop. Hop, on retweet. On met l'adresse ce coup-ci. Je vais arrêter le live et le relancer.